Bonsoir Achille. Achille, elle a fait du bien. On vous a entendu chanter pendant un long moment là. Vous avez savouré cette victoire et cette qualif pour les barrages. Ouais, ça nous a fait du bien. Hein. C'est... Voilà, on est très heureux d'avoir fini quatrième. Donc on a laissé notre joie sortir et vraiment ça c'était bien. D'autant plus que ça n'a pas été un match facile finalement, il a fallu s'envoyer et il a fallu attendre avant de marquer ce but libérateur. Oui, bien sûr, c'était pas un match facile. On savait que ce serait un match très difficile. Mais voilà, on n'a pas lâché, on a poussé. Et voilà, ça a payé. Bravo à l'équipe et on continue. Vous n'étiez pas programmé justement pour terminer quatrième et continuer? Ça vous rend fier ce que vous avez fait? Ouais, c'est vrai, c'est vraiment. Je tenais vraiment à dire que vraiment, c'est pas une équipe, c'est une famille. Vraiment, on a montré, surtout ici à domicile, que vraiment on était vraiment un groupe spécial cette année. Et on ne s'y attendait pas à arriver jusqu'à là, mais aujourd'hui, on ne se met plus de limites. On va aller jusqu'au bout et on va tout donner vraiment pour faire plaisir à notre public, à tous les supporters, les GF Centrum. Voilà quoi. C'est un sacré sommet qui arrive mardi, une équipe de Paris qui vous a pas trop réussi cette année, mais voilà, vous avez le sentiment que vous pouvez le renverser ce sommet-là? Bien sûr, on est confiant à domicile. On sait qu'on va. Si c'est difficile pour nous, pour aussi, ça va être très difficile. Parce que chez nous aussi, c'est très compliqué de nous gagner. Et on verra ça mardi. Un mot sur cette équipe de Paris. Est-ce qu'il faut en attendre? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est une très grosse équipe. On sait déjà, on se prépare pour ça. Mais voilà, le barrage, c'est un match. Et je pense que dans les deux équipes, il y a de la qualité. Et si les deux équipes on est là, ça veut dire qu'il y a un bon groupe, donc on va aller jusqu'au bout pour faire un bon match qui arrive, le prochain match en tout cas déjà, ça peut faire partie de vos avantages, ouais. Ça d'avoir un groupe très compétitif. Hein. Ouais, bien sûr, là le coach, c'est le coach qui fait ses choix. Et aujourd'hui, on a besoin de tout le monde, donc on doit tous être prêts si on fait appel à nous. Donc, C'est la force de notre groupe cette année. Voilà. Ces matchs sont maintenant des matchs couperets qui s'annoncent pour vous et une autre manière de les aborder aussi. Ouais, c'est la première fois, donc on va faire confiance à notre coach, confiance à les anciens pour prendre le maximum de conseils, prendre le maximum de choses qu'on doit apprendre. Pour aborder ces matchs, parce que voilà, c'est des phases où il faut vraiment être concentré, il faut vraiment être prêt. Donc on fait confiance au coach et on verra ça lundi. Même si c'est en cause, ça peut paraître encore très loin, parce que c'est un vrai parcours du combattant. Vous faites quand même partie des trois équipes qui ont encore le droit de rêver à la Ligue 1. Ouais, là, comme j'ai dit tout à l'heure, on se met plus de limites. On sait que ça va être très difficile. Et voilà, ce sera un parcours qui nous fait rêver, quoi. On va aller jusqu'au bout. On vit aussi pour ça, pour des moments comme ça, j'imagine, Achille, pour des matchs qui c'est un peu la vie et la mort, entre guillemets. C'est comme la coupe, c'est. L'esprit de compétition, il va être au maximum. Donc, ça te fait quel effet justement de pouvoir jouer un match comme ça pour la première fois, comme tu dis, t'as pas l'habitude, mais j'imagine beaucoup d'attente pour toi aussi. Ouais, moi, première saison en Ligue 2, jouer mon barrage, vraiment, c'est extraordinaire pour moi. Je continue ma progression et ce match de barrage va me donner un peu plus d'expérience encore. Et voilà, on va aborder ça de manière serein, tranquille, sans se poser de questions, jouer tranquillement et on verra où on va aller. Hein.
T'as pas eu beaucoup l'occasion de les voir cette saison, mais qu'est-ce que tu as pensé des supporters qui sont venus nombreux là en avant-match? Vraiment, c'est. Je suis époustouflé, c'est incroyable. Vraiment, je suis trop content d'avoir des supporters comme ça. Et voilà, je pense qu'ils vont être là maintenant à fond, vraiment derrière nous. Ils vont pas nous lâcher, je sais que. Avec la rêve, on va y arriver. C'est bon pour tout le monde? Impeccable. Merci. Allez, merci. 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 Merci.